le trailer comme ça, là. À quelques jours de Noël, les commerçants vont devoir de nouveau diminuer leur achalandage de 50 %. Je m'en attendais un peu. Écoute, on voyait tout ce qui s'en venait. Surtout que les prochains jours sont cruciaux. Les périodes des fêtes pour un commerce comme moi qui est dans le jouet, c'est 50 % du chiffre d'affaires. Fait qu'il ne faut pas manquer cette occasion-là. Les réactions des consommateurs sont mitigées. Le problème, c'est qu'il va y avoir des fils dehors. Ça, ça me dérange pas pantoute, parce que les commissions sont presque toutes finies. Ici aussi, on s'attend à un week-end costaud, tout juste avant l'imposition des nouvelles restrictions. Pour le moral, je dirais, de toute l'équipe, là, ça a fait un petit ouch là, de recommencer justement à devoir restreindre les clients. Puis aussi, dans ce temps-là, les clients sont un peu plus impatients parce qu'ils ont entendu. Il faudra plus d'employés pour compter les clients et il risque d'y avoir une file d'attente dehors. C'est pas notre faute, on n'aime pas plus ça non plus, là, devoir faire patienter les gens à l'extérieur, mais on n'a pas le choix, là, c'est pas nous qui décident, malheureusement. C'est quand il fait froid dehors puis qu'on n'est pas mis pour attendre, c'est sûr que ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on aime. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante craint que ces restrictions découragent les consommateurs. Les nouvelles restrictions qui pourraient amener les consommateurs à acheter en ligne sur les géants américains pourraient faire perdre des recettes importantes pour nos petits détaillants québécois. On va prendre le temps justement de regarder avec vous. Mais certains commerçants ont pris goût à un nombre limité de personnes en magasin. Tu sais, quand on a 4-5 clients autour de chacun des conseillers, ça ne travaille pas aussi bien quand chaque conseiller rencontre un client à la fois. Bien que la crainte de devoir complètement fermer trotte toujours un peu dans la tête de José Adam. Tu sais, ça fait partie des risques qui peuvent arriver dans les prochaines semaines. On espère que ça n'en viendra pas à ça. En attendant, les emplettes se poursuivent et les affaires sont bonnes. On finit les cadeaux aujourd'hui, à peu près ça, on se prépare pour à 10 personnes et moins notre porte de Noël. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.